Docteur Tara, on vous retrouve en train de soigner un certain nombre des joueurs. Pour commencer, les défenseurs, Joël Kimwaki et Bopé, qui peuvent aussi être utilisés en milieu de terrain. Dites-nous d'abord, quelle est la nature de leurs blessures? Ils ont contracté des accidents musculaires. Ces accidents musculaires, c'est tout à fait normal, puisqu'ils ont fourni beaucoup, beaucoup d'efforts. Maintenant, nous allons penser à ce qu'il y ait une bonne récupération, à ce qu'il y ait de bons soins, à ce qu'il y ait une bonne volonté aussi de la part du joueur, et tout ira pour le mieux. On sait qu'on est à une semaine ou à quelques 6 jours d'un match tout aussi important. Est-ce que ceci pourrait être disponible pour le match contre El Merreir de ce samedi 26? Moi, j'ai entièrement confiance en mes joueurs. Je pense qu'ils s'appliquent très bien dans les soins. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez assisté à toute la séance. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de volonté. Et cette volonté existe bel et bien chez nos joueurs et je les remercie parce qu'ils viennent pour se soigner, pour prendre bien soin de leur santé. Et nous allons compléter ça sur le terrain par une réathlétisation et puis par une mise à l'épreuve. Ceci dit, ils ne prendront pas part à la séance comme le reste du groupe. Ils auront une séance plutôt particulière. Seul Kimwaki aura une séance particulière. Le reste du groupe, il est prêt à s'entraîner avec l'équipe sans aucun problème. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans la programmation qui est faite, c'est un entraînement qui est assez léger. Et vraiment, l'entraînement dur et sûr va commencer à partir de demain. Est-ce que, pour terminer, l'infirmerie compte encore d'autres joueurs qu'il faut récupérer ou soigner? Non, l'infirmerie ne désemplira jamais. Parce que même s'il n'y a pas une blessure, il y a un travail de récupération et un travail. On prévoit des choses pour que la blessure ne se produise pas. Et là, pour ça, je remercie le docteur Kazadi et je remercie César pour tout le travail qu'ils sont en train de faire. Je suis en train de les aider et j'espère que toute la bonne volonté des 3 personnes et des autres personnes va nous amener à un bon match et le match important qui nous attend.